Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qui se passe là où vous vous trouvez. Je suis apôtre Forum Chrétien du ministère John et Territu Ministry. Je suis votre partenaire de prière habituel, votre partenaire de prière de tout le temps. Encore, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Alléluia. Amen. Papa, maman, pour commencer d'abord, je souhaiterais que vous preniez une cuillère à café d'huile d'onction, que vous mettez dans votre bouche, vous rincez. Vous rincez très bien votre bouche, vous laissez cela, que ça dure au moins 2 minutes, afin que vous l'avalez. Et aussi, mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main, que vous la frottez. Frottez les deux, votre paume de main, frottez cela, frottez votre front, touchez vos cheveux et touchez votre nombril. Je souhaite aussi que vous faites la même chose pour surtout pour vos enfants avant qu'ils n'aillent dormir. Et d'autres fois, même quand ils sont en train de dormir, vous faites cela pendant que vous priez, le Saint-Esprit certainement pourra les visiter aussi. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Je vais encore vous inviter dans ce verset de Matthieu, chapitre 5, verset 6. Matthieu, chapitre 5, verset 6, il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Papa, maman, vous avez suivi comment la Bible dit que dans Matthieu 5, 6, heureux ceux qui ont faim. La faim, avoir faim. Ceux qui ont aussi soif de la justice. C'est pour ça que notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé la faim pour la croissance spirituelle. Quand tu as faim, tu veux manger là. Ce qui te pousse à avoir faim, il faut que ça te pousse aussi à croître spirituellement. La Bible nous dit encore dans Luc, chapitre 6, verset 21, il est écrit. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. La Bible nous dit encore dans Jean, chapitre 7, 37, il est écrit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jérémie chapitre 30 verset 13 dit encore, nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Ces versets dont je viens de partager avec nous, papa, maman, avec ça, nous devons comprendre qu'une chose, que vous ne devez jamais manquer en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la faim et la soif de la croissance spirituelle. Lorsque vous voulez avoir le pouvoir dans la vie, avoir faim est le plus qu'il faut chercher. La faim du Seigneur est le plus grand signe de spiritualité. La faim, F-A-I-M, du Seigneur est le plus grand signe de spiritualité. Toujours chercher à mieux connaître Dieu est le plus grand signe de spiritualité. Avoir faim pour le Seigneur, c'est
toujours chercher à mieux connaître Dieu. Donc, quand tu as faim, tes yeux sont en train, est toujours en train de viser la nourriture. Donc, quand tu as faim, ce Seigneur, tu veux toujours pousser pour le connaître davantage. Le plus grand signe de recul est la confiance en soi. C'est-à-dire que quand l'être humain, quand le chrétien est dans une position qu'il a tellement confiance en lui-même, cela veut dire que la personne-là a reculé totalement de connaître Jésus. C'est-à-dire qu'avoir le sentiment d'être arrivé, avoir le sentiment d'être arrivé, n'est pas avoir besoin de correction de qui que ce soit pour ce qui concerne le spirituel. Penser avoir atteint la hauteur que l'on s'est fixé soi-même, c'est vraiment là le plus grand signe que le chrétien là est en train de reculer. Je suis en train de vous la dire quoi, mon frère, mon sœur. Des milliers de personnes viennent dans la maison de Dieu, mais ne changent jamais. Ils entendent la parole de Dieu, mais ne permettent pas que Dieu travaille dans leur vie. Plusieurs prient, vont au service religieux, mais eux-mêmes ne changent pas de leurs anciennes habitudes. Il y a un adage qui dit que la faim oblige un loup à sortir de la forêt. Donc quand un loup est dans la forêt, quand il a faim, il sort. La faim oblige le loup à sortir de la forêt. La faim oblige le crabe à sortir de son trou. La faim rend un repas. La faim rend un repas délicieux. Même si c'est un repas qui est sans goût. Mais comme la personne a faim, ce repas-là qui n'a même pas de goût, ça devient un repas délicieux. C'est l'adage. La faim est le meilleur augmentateur de goût. C'est-à-dire que une nourriture sans sel, qui n'a rien fade, quand quelqu'un tombe sur cette nourriture-là et que la personne a trop faim, la faim qui est dans la personne augmente la saveur de cette nourriture qui n'a même pas de sens. Donc c'est pour ça qu'elle dit que la faim est le meilleur augmentateur du goût. Lorsqu'un cheval a faim, il va manger l'herbe. Lorsque l'homme a faim, il entre dans la maison, il se dépêche à la cuisine pour se faire servir un repas, un plat de nourriture. D'autres fois même, la nourriture même peut être une nourriture même qui n'est même non préparée, non cuite. C'est-à-dire que ça n'est même pas fini de cuire, c'est non cuit. Mais cette nourriture-là, il sent un peu comme si c'est toujours préparé. La faim pousse les gens à la nourriture. Quand tu as faim, tes yeux vont toujours vers la nourriture. Ainsi, ça se passe dans la réalité ainsi. Ainsi, c'est aussi ce qui se passe dans le spirituel. La faim spirituelle vous rapproche de Dieu parce que tu as envie de manger de lui, sa parole. Peu importe qui est le prédicateur de la parole de Dieu. Une personne qui est affamée spirituellement, le plus souvent apprendra toujours de chaque message d'un prédicateur. Papa, maman, bien-aimé, dans les années lointaines passées, il y avait trois groupes de prédicateurs dans les églises. Le premier groupe, c'était le groupe des évangélistes dynamiques. Les évangélistes dynamiques. C'est-à-dire que ceux-là qui font des prédications telles que ça transporte et ça transporte les gens avec lui. C'est-à-dire que sa manière de faire la prédication fait que les gens sont trop chauds
Il y a le deuxième groupe qui est un groupe de gens qui sont les maîtres qui analysent, enseignent la parole de Dieu pour la compréhension claire de tout le monde. C'est-à-dire que ces gens de prédicateurs, c'est les gens qui sont comme des enseignants. Ils analysent la parole de Dieu. Ils enseignent cela de façon claire pour que tout le monde écoute. Il y a le troisième groupe d'enseignants. C'est le groupe que j'appelle le vieux et le lent prédicateur. C'est les prédicateurs qui sont lents, vieux. Ils choisissent la parole de Dieu un par un. Leur prédication rend le plus souvent les gens somnolents et endorment. Mais ce qui est étonnant pour ces gens, genre de prédicateurs qui sont lents, ils choisissent la parole de Dieu, ils peuvent choisir une seule parole de Dieu. Ils restent là-dessus. Ils décortiquent. Ils décortiquent. Ils sont lents. Mais ils sont trop vieux dans la parole. Ce qui est étonnant, c'est que ce troisième groupe de prédicateurs, lorsque les gens le suivent de près, ce troisième groupe de prédicateurs avait tous les faits qui aideraient quiconque dans sa croissance spirituelle. C'est-à-dire que c'est ce troisième groupe que quand tu veux grandir spirituellement, c'est ce genre de prédicateur, c'est ce genre de prédication que tu peux saisir. C'est lui qui a, ce sont les gens qui ont parlé pour la première fois du phénomène de l'antéchrist. L'antéchrist qui est mentionné dans la Bible. Mais le plus souvent, les chrétiens ne connaissent même pas cela. Je suis en train de vouloir dire qu'un cœur affamé, un cœur qui a faim, choisit le plus souvent une leçon de ce que tous les prédicateurs disent. À ce niveau-là, négligeant la méthodologie de l'enseignement. Tant que le prédicateur est enfant de Dieu, il écoute tout. C'est ce que j'appelle le cœur affamé. La Bible dit très bien dans Proverbe 8, verset 17, il est écrit, je cite, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » C'est Proverbe 8, 17. Papa, maman, beaucoup de gens attendent qu'ils soient vieux avant de chercher Dieu. Le moment de chercher Dieu, c'est maintenant. Ce n'est pas à d'attendre encore, frères et sœurs. C'est maintenant, il est maintenant temps d'avoir faim de Dieu pour le chercher. N'attendez pas d'être vieux. Beaucoup de gens ne pense à la mort que quand ils sont passés près d'un cimetière ou qu'ils ont vu un cortège funéraire. C'est alors qu'ils leur arrivent à penser qu'un jour ils mourront et seront enterrés. Quand les gens pensent à devenir sérieux, un esprit arrive toujours à les convaincre qu'ils ont encore du temps pour blaguer et s'amuser et faire n'importe quoi. Les gens pensent que c'est quand ils vieilliront que Dieu les écoutera. Mais à ce moment-là, frères et sœurs, les gens n'auront plus la force pour jeûner, pour prier et même pour crier. Ces gens manqueront de l'endurance qui pourra les faire avancer. Frères et sœurs, par conséquent, bien-aimés, réveillez-vous de votre sommeil spirituel. Dieu n'est pas un imbécile. Il ne peut pas être moqué. Ne laissez pas l'esprit de procrastination. C'est que l'esprit de procrastination, c'est l'esprit de remettre toujours à demain. Remettre toujours à demain. Ne laissez pas l'esprit de procrastination vous jeter dans le feu de l'enfer. La confiance en soi, comme étant déjà arrivé, comme étant un ancien chrétien,
peut certainement vous jeter dans le feu de l'enfer. Regardons par exemple l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a écrit lui-même. Il a écrit plus de un quart de la Bible. Quand tu prends la totalité de tous les livres de la Bible, près d'un quart de toute la Bible a été écrit par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a reçu beaucoup de révélations. L'apôtre Paul a été transporté trois fois au paradis. Mais lui, l'apôtre Paul, encore jusqu'à preuve du contraire, il a dit, je ne mets point ma confiance en la chair. C'est Philippiens 3:3. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit. Je ne mets point ma confiance en la chair. Pour dire que jusqu'à ce que tout ce qu'il a fait ainsi, jusqu'alors il était encore en train de chercher encore à connaître le Seigneur. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un petit garçon qui allait souvent à l'église avec son père. Le petit garçon, quand il partait à l'église, il prenait toujours note. Et il écoutait très attentivement la prédication. Ce petit garçon était très sérieux et il priait avec ferveur. Le plus souvent, quand le petit garçon écoutait la prédication, il posait aussi des questions pour en savoir plus sur Dieu. Un jour, ce petit garçon a appelé son père et a demandé comment il pouvait mieux se rapprocher de Dieu. Ce petit garçon voulait recevoir une touche du Seigneur. Son père lui a demandé de le suivre. Ils sont sortis de la maison, lui et son père, et se sont dirigés vers la périphérie de la ville. Les deux ont marché, et le garçon a demandé à son père, mais tu m'amènes alors vers où? Son père n'a rien dit. Ils sont arrivés près d'une rivière, et le père a pris le garçon par la main. Ils sont entrés dans la rivière. Son père a attrapé la tête de son fils et l'a plongé dans l'eau. Et il a plongé dans l'eau, il a appuyé la tête de l'enfant dans l'eau pour le laisser au contraire dans l'eau. Le garçon s'efforçait même pour sortir, mais c'était un peu dur. Mais n'a pas pu se libérer. Le père l'a tenu là pendant un moment, puis il a sorti vite de l'eau. Le garçon s'est allaité et il s'est demandé pourquoi son père a fait ça. Quelle était l'intention de son père de le plonger dans l'eau et le mettre dans l'eau comme s'il voulait le tuer. Quand le petit garçon a repris sa force, il a demandé à son père pourquoi il voulait le noyer. Son père lui a expliqué qu'il voulait qu'il ressente un manque d'oxygène et sache que la façon dont il avait du mal à sortir de l'eau pour prendre de l'air frais est exactement la façon qu'il devrait avoir faim et soif de Dieu afin qu'il ait une rencontre avec le Seigneur. Frères et sœurs, certains chrétiens n'arriveront pas au ciel parce qu'ils n'ont pas faim, ils n'ont pas soif pour Dieu. Par nature humaine, les êtres humains sont susceptibles le plus souvent d'être asservis, d'être mis en esclavage de quelque chose. En réalité, vous êtes esclave d'une chose ou de l'autre. Par exemple, je vais donner l'exemple de cette sœur-là qui avait soit un problème de la colère. Et l'esprit de la colère était un très grand problème pour lui. Le diable a utilisé cet esprit de la colère
qui a fait qu'un jour, ses sandales, il y avait ses sandales à la maison. Et ses sandales ont disparu. Pas que ça avait arrêté, en réalité trop disparu, mais elle s'est rendue compte. Elle a tourné, elle n'a pas vu ça, les sandales là où c'était. La sœur est tombée très vite enragée. Très fâchée. Très enragée. Et elle a du coup commencé à maudire tout le monde. Elle a commencé à crier, à accuser tout le monde dans la maison. Tout le monde pour avoir fait perdre ses sandalettes. Bavarder, la colère était augmentée. Et elle venait comme ça de rentrer de l'église. De cette façon, elle a été privée des bénédictions qu'elle venait de recevoir du service de religieux de ce jour-là. Frères et sœurs, Dieu ne donne pas aux gens la plénitude de la satisfaction d'un besoin spirituel jusqu'à ce que la personne ait vu Dieu face à face. L'apôtre Paul a déclaré dans Philippiens 3:10, il a dit afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. L'apôtre Paul avait faim de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'afin de connaître Christ, connaître la puissance de sa résurrection, avoir la communion des souffrances de Christ et devenir conforme à lui dans sa mort, c'est la faim de Christ. Il voulait connaître, il avait la famine, il courait après Dieu. La faim et la soif sont des expériences, justement, le plus souvent, toujours très douloureuses. Quand tu entends dans Philippiens 3:10, l'apôtre Paul dit très bien que afin de connaître Christ, une fois d'abord, puis la puissance de sa résurrection. Troisièmement, il a dit la communion de ses souffrances, les souffrances de Christ, les souffrances du chrétien. Donc, l'apôtre Paul était prêt aussi à souffrir. Comme Christ a souffert, parce qu'il veut se conformer à Jésus-Christ dans sa mort. C'est pour ça qu'il dit que la faim et la soif de Dieu sont des expériences non pas sucrées, mais aussi très, très douloureuses. Personne n'aime avoir faim. Ça, c'est la vérité. Personne n'aime avoir soif. Quand tu as soif, tu n'es plus tranquille. Quand tu as faim, dès qu'en soit ce qu'on te dit, tes yeux, ta bouche est déjà dans ton problème que tu sens déjà là. Une personne affamée n'a besoin de personne d'autre que la personne qui a la nourriture en main. Une personne assoiffée n'a besoin de personne que quelqu'un qui a au moins une bouteille d'eau en main. Lorsque vous avez faim de réveil spirituel, vous prierez, non pas parce que vous sentirez coupable si vous ne priez, vous ne priez pas, mais parce que vous avez faim et que vous voulez prier davantage. C'est pour ça que je parle de la faim du réveil spirituel. Vous devez prier pas parce que c'est une religion de prier. Mais priez parce que vous voulez prier davantage. Il y a une envie de continuer à prier. C'est-à-dire que quand vous lisez votre Bible, parce que vous avez faim et que vous voulez connaître Dieu de plus près, pas parce que vous sentez coupable de ne pas lire la Bible, mais parce que vous avez la soif de le connaître dans la profondeur. C'est ça que nous appelons la famine et la soif de Dieu. Vous priez ou vous allez à la prière, non pas parce que vous êtes seul à la maison et qu'il n'y a pas de programme de télévision à regarder, ou bien pas, non pas parce qu'il n'y a pas de réunion à partir, ou bien
pas parce que vous n'avez pas damné à aller rendre visite, mais parce que vous avez faim spirituellement pour Dieu. Vous avez soif spirituellement pour Dieu. Lorsque vous avez faim et soif de Dieu, cela vous amènera toujours à une soumission totale à Dieu parce que vous êtes en train de courir vers lui. C'est pour ça que je dis que quand vous avez faim et soif de Dieu, cela vous amène à une soumission totale à Dieu. Quand je dis soumission totale à Dieu, la question qu'on peut se poser, c'est que qu'est-ce que vous devez soumettre à Dieu parce que vous voulez le connaître? La première des choses, votre cœur est d'abord ce qu'il recherche. Vous devez soumettre votre cœur, votre volonté, votre tempérament, votre parole, vos mots, votre bouche, votre manière de faire et vos opinions. Permettez à ce que Dieu utilise votre volonté. Que votre volonté dépende de la volonté de Dieu. C'est toutes ces choses-là que vous devez soumettre à Dieu. En réalité, la plus grande difficulté sur le chemin de Dieu, là de la recherche de Dieu, c'est la soumission totale. Je vous ai parlé de beaucoup de choses pour lesquelles vous devez, chacun de nous, toi et moi, doit soumettre à Dieu. La plus grande difficulté, c'est soumettre tout ça à Dieu. Dans l'ensemble, généralement, les gens, eux, soumettent à Dieu une main et une jambe. Et le reste, les gens disent que non, laisse-moi le reste, je t'ai donné une main et une jambe. Le reste de mon corps, ça ne te concerne pas, tu n'as rien à voir sur ça. Les gens veulent que Dieu prenne en charge un aspect de leur vie et leur laisse l'autre aspect de leur vie. Si vous avez faim de Dieu et il a un morceau de fer et il y a un morceau de fer dans votre vie qui vous rend non qui vous rend tel qu'on ne peut pas vous plier, on ne peut pas vous tordre, Dieu va d'abord rendre ce fer en poudre. Il va d'abord écraser ce fer en poudre et Dieu va vous refaçonner comme il veut. Et non plus encore comme vous le voulez. Lorsque vous par exemple, allez à l'église ou vous allez à n'importe quel lieu, frères et sœurs, ne critiquez pas les autres. Ne vous comparez pas aux autres. Ne critiquez pas une créature de Dieu. La Bible le dit très bien qu'il ne dénigre personne. C'est écrit dans le livre de Tite, T-I-T-E, chapitre 3, verset 2. Le livre de Tite, T-I-T-E, chapitre 3, verset 2. Qu'il ne dénigre personne. En d'autres termes, qu'il ne fasse jamais de commérage sur quelqu'un. Ne fasse jamais de congossa sur quelqu'un. Ne critiquez pas les chrétiens qui font de leur mieux pour servir Dieu. Le meilleur n'est peut-être pas assez bon à votre avis. C'est votre avis. Mais Dieu les apprécie, Dieu les respecte et il respecte ce petit qu'il essaie de faire pour Dieu. Un point, c'est tout. C'est pour ça qu'il répète très bien dans Tite, chapitre 3, verset 2, T-I-2, T-I-T-E, Tite, chapitre 3, verset 2, il dit qu'il ne dénigre personne, qu'il ne fasse de commérage de personne. Frères et sœurs, nous devons être si soumis, à Dieu que nous pouvons tenir notre langage et marcher en étroite collaboration à Dieu. Gardons les yeux sur Jésus et assistons au ministère que Jésus a commis entre les mains de tout un chacun de nous. Gardez les yeux sur Jésus. Assistez au ministère que Jésus a commis entre nos mains. Lorsque nous sommes soumis à Dieu, Dieu fera des miracles en nous. Dans notre expérience,
Il peut faire la guérison. Il va toucher nos finances. Et dans tout ce que nous faisons, il va nous toucher. Aujourd'hui, je vous mets au défi. Je vous mets en défi de vous soumettre à Dieu totalement et vos miracles vous étonneront. Vos miracles surprendront vos amis. Vos miracles étonneront vos ennemis. La question est de savoir pourquoi les gens ont faim. Pourquoi les gens ont faim? Amen. Pourquoi les gens manquent de faim? Les gens n'ont pas faim de Dieu. Pourquoi? Pourquoi les gens n'ont pas une famille de Dieu? Ben, les gens n'ont pas faim. Les gens n'ont pas soif de Dieu. Ceci est dû le plus souvent au fait que peu de gens sont prêts à payer le prix du pouvoir. Quand tu veux le pouvoir, il te faut la famille de Dieu. Mais peu de gens sont prêts à payer le prix, à s'engager vraiment là-dessus. Cela signifie laisser une chose pour une autre chose. C'est-à-dire que Dieu est tel que où tu es avec lui, où tu n'es plus avec lui. Tu ne peux pas être avec lui et être avec le monde. Un point, un trait. Donc, plusieurs gens ne sont pas prêts à aller vers Dieu. Plusieurs gens manquent de faim, de soif de Dieu parce que ils ne veulent pas payer le prix. C'est-à-dire que laisser une chose pour suivre une chose. En réalité, dans la vision, l'objectif de John et Teletou Ministry, le ministère Jean chapitre 8, verset 32, c'est que la vision est de provoquer un réveil surnaturel des signes et des merveilles apostoliques et amener chacun à prier clairement et chercher Dieu lui-même sans interférence. C'est pour ça que nous sommes un ministère qui est totalement de la prière. Je vais vous donner un exemple. Les apôtres vivaient dans le surnaturel. C'est-à-dire que ils étaient physiques ainsi, mais en réalité, ils n'étaient pas trop physiques, tu penses là. Les apôtres, autant des apôtres de Jésus là, les apôtres vivaient dans le surnaturel. Autant des apôtres, les apôtres ont renversé les forteresses par les prières. Les apôtres ont déraciné des arbres démoniaques. Les apôtres ont marché sur des pouvoirs sataniques. Les apôtres ont secoué la terre des miracles. Les apôtres ont... les villes, autant des apôtres ont été bouleversés par la puissance de Dieu. Les apôtres ont brûlé des pouvoirs démoniaques en autant des apôtres là. Frères et sœurs, dans des années reculées avant, un réveil a éclaté même en Afrique. Et les gens en ce moment-là sont devenus des dépendants aux prières. C'est pour ça que nous insistons pour que chacun entre trop dans la prière. Un réveil a éclaté en Afrique et les gens étaient devenus des dépendants aux prières. C'est-à-dire que les gens étaient des accros à la prière. Les gens ont prié, les gens priaient même dans les forêts, les gens priaient sur les montagnes, les gens priaient les gens priaient même sur un seul pied. Les gens ont prié jusqu'à ce que les pieds se soulevaient du sol. Les gens ont paralysé les arbres démoniaques, les arbres des fétiches. Les gens ont utilisé la prière pour paralyser les arbres démoniaques. Les frères ont formé des chaînes de prière. Et la voix de la prière était continue et ça continuait. Et ça continuait. Ça a créé la terreur. Quand je regarde aujourd'hui le christianisme dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui, je me demande quel est le problème qui se passe avec le changement qui se trouve. Nous devons normalement bouger spirituellement. La façon dont
nos pentecôtistes bougeaient, et même d'une manière même plus élevée qu'au temps des apôtres. Nous voulons que l'Église de Dieu bouge aujourd'hui. Mais le problème est que nous manquons, il n'y a pas de famine. Les gens n'ont plus faim. Les gens n'ont plus faim de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes plus civilisés même que les apôtres dans ce temps-là. Mais nous manquons encore la famine. Il n'y a pas de famine pour Dieu. Rappelons-nous un peu, je vais encore pour regarder toujours ce que j'appelle la famine. Les gens n'ont pas trop faim foncièrement de Dieu. Regarde un peu, Jésus-Christ lui-même, il a confronté l'apôtre Pierre. Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre, il a dit, à partir de maintenant, ce sont des hommes que tu vas attraper à la pêche. Comme tu étais pêcheur là, au lieu de pêcher pour attraper les poissons, à partir de maintenant, ce sont des hommes que tu vas attraper. C'est Luc chapitre 5, verset 10 à 11. Je fais de toi maintenant un pêcheur d'hommes. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ce sont les hommes que tu vas lancer ton maison comme ça pour attraper en route, pour venir à la maison de Dieu. En réalité, l'apôtre Pierre a travaillé toute la nuit pour la pêche. Il lance son maison. Il lance, mais rien ne prend. Rien ne prend. Apôtre Pierre n'avait rien attrapé pendant qu'il pêchait. Apôtre Pierre était un pêcheur expérimenté. Et lorsque le Seigneur a appelé Apôtre Pierre, il a dit qu'il devait utiliser cette expérience pour pêcher plutôt les hommes. En réalité, après 3 ans et demi de suivre le Seigneur, l'apôtre Pierre a encore abandonné son appel ministériel pour rentrer encore à la pêche, pour chercher lui son poisson. Et encore, il n'a rien attrapé toujours. Je dis que chaque fois qu'il lançait son hameçon dans l'eau, il peut passer tout son là, il n'attrape pas rien. C'est écrit dans Jean chapitre 21 de 1 à 3. Et le Seigneur avait dit que non, quand tu vas lancer le poisson, ton hameçon là-bas, tu ne dois rien attraper parce que je ne t'ai pas envoyé pour la pêche du poisson là. La pêche, c'est que je t'ai envoyé pour pêcher au contraire, attraper les hommes et non les poissons, frère. Pierre, au début, manquait même de patience nécessaire aux hommes de pêche. Pierre a dû apprendre à être patient. Il a dû apprendre à patienter au moment où en tant qu'un pêcheur. Imagine un instant, quand tu t'en vas lancer la canne à pêche, tu dois rester et attendre. L'autre fois, le poisson vient, il tape un peu, il s'en va. D'autres fois, il tape un peu, il s'en va. D'autres fois, il rôde. Il est en train de réfléchir sur ça. Le poisson aussi est dans l'eau, en train de réfléchir sur la part que tu as mis au bout de ça. Donc, ce qui veut dire que, en tant que un pêcheur qui a lancé comme ça, il doit avoir la patience. Apôtre Pierre n'avait pas trop de patience. Apôtre Pierre a dû apprendre aussi la patience d'un pêcheur. La discipline nécessaire d'un pêcheur, le zèle nécessaire d'un pêcheur, l'art de la natation pour pouvoir rester en vie, la capacité de travailler à travers la connaissance des choses de la nuit, des stratégies, etc. Parce qu'il allait pêcher même dans la nuit. Quand il a compris et est revenu à cette vocation maintenant, là, l'apôtre Pierre a vraiment pêché des hommes. C'est-à-dire qu'il a évangélisé et a rempli le monde de Dieu avec trop de gens qu'il a évangélisé pour le Seigneur et a fait des exploits pour le Seigneur. Je vais vous donner maintenant un témoignage d'un homme qui était vraiment riche. C'est un homme qui avait un emploi qui lui donnait trop d'argent. Et le Seigneur l'a appelé à prêcher l'évangile. Cet homme, son travail était là et son travail donnait trop d'argent. Mais le Seigneur était en train de dire que je ne t'ai pas dit d'aller faire ça. Je t'appelle parce qu'il y a d'autres choses pour moi que tu dois faire.
la personne a bien suivi Dieu, mais la personne a continué toujours à donner des excuses à Dieu. Il a continué sa vie normalement, comme s'il n'écoutait même pas. Un jour, pendant que la personne était en train de voyager dans un train, quand il est tombé et a été gravement blessé, sa main a été amputée. C'est que sa main, une main a été coupée. À l'hôpital, encore, quand sa main était coupée comme ça, à l'hôpital, le Seigneur lui a encore demandé s'il voulait que son deuxième bras, sa main, la deuxième main, soit aussi amputée avant de tenir compte de son appel. Et que s'il veut ça, le Seigneur va encore faire mettre toutes les dispositions pour qu'il perde aussi l'autre main. L'homme a dit, non, je ne veux plus, je veux faire ce que tu veux. Et l'homme s'est rendu la totalité de sa vie au service du Seigneur. Aujourd'hui que je vous parle, l'homme prêchait l'évangile avec un seul bras. Une seule main, donc un seul bras. Je prie alors pour que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus. Cet homme est maintenant temps de devenir sérieux avec Dieu et de bouger comme il veut que vous bougez, comme il veut que nous bougeons. L'apôtre Pierre était encore un pêcheur expert. Bien qu'en tant que pêcheur expert, un expert pêcheur, il a échoué terriblement. C'est ce qui est écrit dans le Jean chapitre 21. En effet, l'apôtre Pierre, il a fait ce que il faisait toujours ce que Dieu ne voulait pas. Ce n'était pas que le Seigneur l'a demandé d'aller à la pêche physique. L'apôtre Pierre devait apprendre cette technique pour pouvoir voir par comment faire la pêche des hommes. C'est-à-dire que l'évangélisation. Qu'est-ce que ça voulait vous dire? Beaucoup de gens aujourd'hui échouent terriblement. Terriblement, pourquoi? Parce que ce qu'ils savent le mieux. Mais ici, en accroche, Dieu leur dit ce qu'il veut qu'ils fassent. Mais les gens durcissent en donnant des excuses. Les gens sont en train de vouloir faire au contraire ce qu'ils veulent et ils veulent que Dieu bénisse ce que lui, il a choisi et non ce que Dieu a choisi. Bien qu'il a bien suivi. Les gens vont même jusqu'à se comparer même avec d'autres personnes. Il dit que non, les autres gens sont comme ça, ils marchent, ils réussissent là-bas. Moi, je vais faire comme eux. Donc, laisse-moi tranquille. La Bible dit dans Jean 21, verset 15, il dit, lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Le Seigneur a dit que ne dis pas, ne va pas à la pêche pour dire que tu vas être un expert pêcheur. Donne la nourriture à mes brebis, à mes agneaux. Donc, Jésus était clair avec lui que tu dois faire ça. Beaucoup de gens chantent le plus souvent qu'ils aiment le Seigneur. Et d'autres fois, plusieurs gens disent que non, j'attends seulement pour rentrer chez moi au ciel avec l'Éternel. Et les mêmes gens, pourtant, les mêmes gens vont au service religieux. Ils viennent en retard. Les mêmes gens ne communiquent, ils n'aiment pas prier. Les mêmes gens n'aiment pas prier. Et ils veulent rentrer au ciel avec Dieu. Et ils n'aiment pas Dieu. Ils ne les connaissent pas. En ce qui concerne les choses mondaines, les mêmes gens sont trop ponctuels. Ils prennent ça au sérieux. Mais quand il s'agit, on leur dit, prie. Ils disent, non, il me faut aller au contraire aux choses mondaines. Lorsque Dieu les appelle, les mêmes gens lui posent des conditions. Que si tu me satisfais comme ça, je vais répondre à ce que tu dis. Pourtant, ils veulent que Dieu les aide. Mais ils ne veulent pas faire la volonté de celui qui l'a envoyé sur la terre à faire cela. L'apôtre Pierre avait déjà dit à Jésus qu'il était prêt à mourir pour Jésus.
Mais le même apôtre Pierre est retourné à la pêche encore. Pourtant, il a dit que non, je vais mourir pour toi. Et bien après, il a abandonné Jésus pour rentrer lui à son travail. Jésus a dû encore demander encore à répéter à l'apôtre Pierre que si Pierre l'aimait, que bien Pierre, tu m'aimes vrai. Tu m'avais dit que tu devais me suivre, non? Mais voici que tu m'as abandonné pour rentrer à ton travail, pour chercher ton argent là-bas. Tu m'as encore. Jésus a encore répété, afin que l'apôtre Pierre connaisse la nature même de la tâche que Jésus était en train de mettre entre ses mains. Bien-aimé, papa, maman, le Seigneur vous demande aujourd'hui, si vous l'aimez plus que le monde, êtes-vous prêt à abandonner les trésors de la terre et le suivre? Est-ce que c'est vrai? Êtes-vous prêt à abandonner ce qui vous plaît et à prendre ce qui plaît à Dieu? Vrai. Êtes-vous prêt à tenir compte de son appel vrai? Je vous ai donné l'exemple de la propre Pierre, l'exemple et c'est tant d'autres. Les gens sont asservis, sont esclavagés aux choses de ce monde. Et ils ne sont pas prêts à abandonner cela et servir le Seigneur. Ils s'accrochent à leur mode, ils s'accrochent à leur maquillage, ils s'accrochent à ce que les autres sont en train de faire. Ne savent pas que cela provoque un obstacle, une limite au mouvement de Dieu, au mouvement du Saint-Esprit dans leur vie. Certaines personnes ne veulent pas abandonner même leur tradition et leur culture, qui cependant est toujours en train de provoquer une barrière à l'appel de Dieu dans leur vie. Frères et sœurs, finalement, l'apôtre Pierre est décédé au service du Seigneur. Il est mort étant au service du Seigneur. Il n'est pas mort en tant que quelqu'un qui va à la pêche du poisson. Lorsque l'apôtre Pierre a été arrêté pour la première fois pour être tué à Rome, l'apôtre Pierre s'est échappé et alors qu'il s'enfuyait, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a demandé à Jésus où il allait, le Seigneur Jésus lui a dit qu'il allait mourir pour l'apôtre Pierre et pour le peuple une deuxième fois. L'apôtre Pierre a fait le message et a couru vers ses persécuteurs. Il allait le crucifier comme ils l'ont fait pour Jésus. Mais l'apôtre Pierre a dit qu'il n'était pas digne de mourir de la même manière que son serviteur, que son maître Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Pierre leur a demandé de le retourner à l'envers. Et ils l'ont retourné à l'envers. Et il est mort pour le Seigneur, pas de la même manière. L'apôtre Pierre s'est engagé envers le Seigneur et il avait toujours faim du Seigneur. Frères et sœurs, les chrétiens ne devraient pas suivre la multitude pour commettre les péchés qui sont partout, qui sont populaires. Les chrétiens ne devraient pas abriter en eux la curiosité, cette curiosité pécheresse, de vouloir juste le plus souvent savoir ce que les choses, chercher les secrets juste pour le péché. Les chrétiens devaient être comme les apôtres qui ont tout abandonné pour Jésus-Christ. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Tu te rappelles de Étienne. Étienne était un disciple qui a été lapidé à mort. Jacques, dans le livre de Jacques, le fils de Zébédée, a toujours eu le courage de prêcher l'évangile alors qu'il était même sur le point de mourir. Jacques a pu servir la personne qui devait le tuer et l'a fait convertir. C'est-à-dire que la personne qui était chargée à tuer Jacques a prêché l'évangile, il a remis sa vie à Jésus-Christ et la personne même là qui devait le tuer. Et maintenant les persécuteurs sont venus tuer Jacques et même la personne qu'on avait mis pour qu'il tue Jacques. Et alors, les persécuteurs sont venus tuer Jacques et la personne au même moment.
Je vais vous parler encore de Philippe dans la Bible. Philippe a été traîné sur le sol, traîné au sol comme ça, et cloué sur un arbre. Je vais vous parler de Matthieu, le livre de Matthieu. Matthieu a été matraqué à mort, tapé, matraqué. Il est mort comme rien. Je vais vous parler encore de Jacques. Jacques, l'auteur du livre de Jacques, est chef de l'église de Jérusalem. Lui, il a vécu jusqu'à l'âge de 94 ans. Et les Juifs ont cassé son crâne. Imaginez quelqu'un, on prend par exemple un manteau, on frappe sur la tête de quelqu'un pour fracasser son crâne. Les Juifs ont cassé son crâne avec des pierres. Je vais vous parler de André. André a été cloué sur une croix. Et la croix là avait la forme de X. X. Quand tu dis que X, Y, Z là. Il y avait une croix, la forme de X. André a été cloué sur une croix qui avait la forme de X. Je vais vous parler de Marc. Dans le livre de Marc. Marc a été traîné sur le sol jusqu'à ce que toute sa chair se coupe en morceaux. Toute sa chair. Je vais vous parler encore lui aussi de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été décapité après les prières qu'il conduisait. L'apôtre Paul a été décapité après les prières. Je vais vous parler encore de Thomas. Thomas a été percé avec une lance. Je vais vous parler encore de l'apôtre Luc. C'était le seul apôtre qui a été trop à l'école. On dit le docteur Luc. C'était un docteur. Luc a été pendu sur un olivier, l'arbre qui produit l'huile d'olive. C'est avec ça que tu fais l'huile d'onction. Luc a été pendu sur un olivier. Et dans tout ça, le seul apôtre qui est décédé d'une mort normale était rien que l'apôtre Jean, le révélateur. Bien que l'on ait jeté, à un certain moment de la vie, même, on a pris l'apôtre Jean, on a lancé l'apôtre Jean dans l'huile qui bouillait beaucoup, l'huile. Mais il a grimpé pour sortir. Il y avait une île, dans l'île de Patmos. L'apôtre Jean était prisonnier là-bas. Et c'est dans l'île de Patmos que l'apôtre Jean a écrit le livre de Apocalypse. C'est le seul même qui a... l'apôtre Jean, c'est le seul qui est mort d'une mort normale que quelqu'un peut dire à un certain moment, est mort comme ça, vrai. Et papa, maman, il devrait être clair pour vous et moi que de nombreux chrétiens, même ces derniers temps, il y a 3 siècles, ont été persécutés jusqu'à mort pour le bien de l'évangile. Les ongles de main là, les ongles ont été enlevés et ont été décapités. On enlevait les ongles des chrétiens, on les décapitait. Tout cela parce que le crucifix. Si vous dites que vous avez faim du réveil, je veux que vous y réfléchissez très sérieusement. La question que je vais vous poser, frères et sœurs, répondez doucement. N'allez pas très vite. Y a-t-il de la malveillance dans votre cœur? Y a-t-il quelqu'un que vous trouvez extrêmement difficile à pardonner dans votre cœur? Y a-t-il de la haine dans votre cœur? Avez-vous des rancunes? Y a-t-il quelqu'un que vous avez juré de ne pas pardonner et que vous refusez toutes les tentatives de réconciliation? Frères et sœurs, vous pouvez vous retrouver dans un feu d'enfer si ceci est encore dans votre cœur. Je continue encore avec les questions. Est-ce qu'il y a des gens que vous classez comme étant des gens très, très mauvais? Et vous classez comme ça, oubliant que vous aussi, vous étiez aussi mauvais jusqu'à ce que le Seigneur Jésus entre dans votre vie pour apprécier maintenant sa grâce dans ta vie. Rappelle-toi, papa, maman, les pharisiens ont attrapé une femme dans l'acte d'adultère et l'ont amenée à Jésus-Christ.
Ces pharisiens n'ont pas amené l'homme, mais on a amené rien que la femme. Est-ce qu'une femme peut commettre l'adultère seule? Où était l'homme? Ils n'ont pas amené l'homme. Jésus leur a demandé de lapider cette femme à mort. Si eux-mêmes, ils étaient sans péché, mais personne ne pouvait le lapider. Ceux qui sont venus se plaindre étaient des hommes. Et certainement même parmi ces hommes, il y avait les autres qui ont fait cette adultère-là avec la femme. Mais chacun était là pour accuser. Et eux-mêmes, ils savaient que eux-mêmes sont les gens qui font l'adultère. Frères et sœurs, est-ce que vous avez en vous ce qu'on appelle la colère? La jalousie est quelque part dans votre cœur. Est-ce que vous êtes un peu envieux? Impatience, l'irritation, vous connaissez ça en vous. Est-ce que vous êtes souvent provoqué? Et d'autres fois, quand on vous provoque, vous vantez de vous dites ce que vous n'êtes pas. C'est maintenant là que je suis en train de causer avec vous. Si la trompette du Seigneur Jésus sonne maintenant, irez-vous avec le Seigneur Jésus ou bien vous réfléchissez encore? Papa, maman, est-ce que vous aimez-vous toujours, peu importe les circonstances, ou êtes-vous facilement offensé? Moins de choses, tu es toujours énervé. Cela vous fait-il mal lorsque vous êtes ignoré? Quand vous êtes dans une maison, dans une famille, les gens font des choses, les vannes, et tu te sens un peu trop ignoré. Ça te dérange dans le cœur. Et tu seras perturbé lorsque tu es négligé. Y a-t-il un orgueil quelque part dans ton cœur? Cherchez-vous toujours à être remarqué quelque part dans un milieu où vous trouvez? Es-tu honnête, sincèrement? Si on te demande si tu es vraiment honnête, vrai, étant seul, est-ce que tu peux te qualifier comme étant quelqu'un honnête? Pour dire vrai, ne prends pas la peinture blanche pour peindre le noir. Es-tu vrai, honnête? Pouvez-vous vous faire confiance? Est-ce que toi-même, tu peux te faire confiance? Parce que si tu peux te faire confiance, Dieu pourra te faire confiance. Est-ce que vrai, tu peux te faire confiance? Car si on parle des commérages là, des congosas là, faites-vous des commérages sur quelqu'un? Êtes-vous un agent du mal et votre mission est d'attaquer les enfants de Dieu? Quand on critique souvent les gens là, durement là, et sévèrement là, qu'est-ce que tu dis souvent? Tu aimes prendre parti de ça? La Bible dit très bien, ne dites aucun mal d'aucune personne. Ne dites jamais de mal de quelqu'un. Frères et sœurs, saluez-vous vos subordonnés de tout votre cœur. Si par exemple tu es patron quelque part, ou bien tu es papa quelque part là, ou bien quelqu'un que tu sais que c'est moins, il est moins que toi. Est-ce que quand tu le parles en tant que son père ou son patron? Frères et sœurs, papa, maman, si on parle de vol là, tu peux dire que tu ne voles pas. Et si on parle encore de vol là, si on parle du mot djinn, est-ce que ta voix peut se lever? La djinn de Dieu, l'argent de Dieu, l'argent, le porte-monnaie de Dieu. Il a écrit ça dans Malachie chapitre 3, de 9 même à 12. Si Dieu veut dire que où est mon argent, est-ce que tu peux dire que non, Dieu n'a pas, je paye tout ma dîme à Dieu. Est-ce que c'est vrai? Dieu peut te faire confiance. Est-ce que Dieu peut te dire que tu n'es pas voleur? Empruntez-vous et payez-vous avec intérêt. Est-ce que le plus souvent, quand tu as dans la semaine là, l'argent que tu as dans la semaine-ci, et la dîme de Dieu que tu devais payer dans la semaine-ci, souvent tu évites de payer ça dans la semaine-ci pour payer à une autre semaine. Ne connais-tu pas que Dieu te demande que dans la semaine-là, tu dois payer avec des intérêts et que ton avantage est suspendu et que tu peux être en train de souffrir encore comme ça à cause du fait que Dieu ne te veut plus. Les gens du monde vous feront-ils comme étant différents d'eux? Est-ce que les gens te voient depuis que tu pries, depuis que tu es chrétien là? Est-ce que les gens peuvent dire que tu es différent de vrai? Est-ce que vous vous habillez comme les gens du monde?
Êtes-vous hypocrite ou non? Quand on parle d'hypocrisie là, vrai, êtes-vous hypocrite ou non? Si vous ne pouvez pas faire la différence entre ceux qui vont au paradis, maintenant, sur la terre, vous ne pouvez pas différencier quand eux-mêmes, ils sont en train de mourir. Frères et sœurs, certaines personnes habillent même des cadavres et les placent dans leur trou debout, comme s'ils étaient vivants à leur enterrement. C'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie. C'est une perte de ressources. C'est une façon encore d'honorer la mort. Frères et sœurs, papa, maman, je suis encore, on est en train de continuer encore à nos questions que j'aimerais que vous répondiez après. Avez-vous du mal à admettre vos fautes et à vous excuser là-dessus? Faites-vous une restitution comme Zachée en a fait? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle restitution? As-tu déjà fait une restitution de quelque chose que tu sais que tu as fait ou bien que tu as volé? Tu as retourné ça clairement? Et vous souffrez peut-être aujourd'hui parce que vous gardez toujours ce que vous avez voulu dans le passé, peut-être. Lorsque vous recevez l'esprit de Zachée, vous ferez une restitution totale. Vous retournerez tout ce que vous avez voulu dans le passé. Zachée, quand s'il s'est rendu compte qu'il était voleur, il a retourné. Quand on parle de la restitution là, qu'en dis-tu? Êtes-vous un extorqueur, un escroc? Vous êtes, est-ce que l'inquiétude, l'anxiété, le fait d'être trop inquiet, de murmurer là, est-ce que c'est ton sort? Êtes-vous un agent de division? Quand tu es là quelque part, il y a toujours quelque chose qui se passe derrière, et les gens en souffrent. Est-ce que tu es enseignable? Êtes-vous coupable d'immoralité quelque part ou bien d'immoralité quelque part? Habitez-vous en vous des imaginations de plus soit impures ou bien des choses sales? Des choses sales à faire. Est-ce que ça fréquente de plus soit ta tête, même si tu ne le dis pas? Si tu as peut-être une aiguille sur la table, et que quelqu'un prenne l'aiguille là, est-ce que tu peux venir dire que la personne a pris un éléphant? Est-ce que vous exagérez? Est-ce que vous avez un esprit d'exagération? Est-ce que soit vous dites des mensonges pour vous protéger? Est-ce que vous faites confiance aussi totalement au Seigneur pour votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à faire confiance au Seigneur? Est-ce que vous priez? Après avoir prié, vous revenez encore, vous souciez encore si Dieu peut répondre ça ou pas. Est-ce que vous négligez-vous la parole de Dieu? Vous regardez, vous intéressez à la parole de Dieu? Est-ce que dans vos manières de faire, dans vos dires, vous rejetez Dieu le plus souvent? Est-ce que vous parlez de la parole de Dieu à quelqu'un et vous cherchez même à intéresser les gens à la parole de Dieu? Avez-vous la compassion pour les gens perdus, pour les âmes perdues? Est-ce que le mot compassion existe dans votre cœur? Est-ce que vous faites vos témoignages pour montrer comment vous êtes intelligent, très fort, avancé, ou bien vous témoignez pour être sale et que Jésus soit glorifié? Avez-vous quitté votre premier amour pour être maintenant avec le Maître? Ce sont des questions importantes à répondre si vous voulez prétendre que vous aimez le Seigneur et que vous avez faim pour lui. Si vous n'avez pas encore faim de Dieu, laissez l'esprit de faim et de soif pour lui vous envahir maintenant et aujourd'hui. Priez jusqu'à ce que vous ressentiez une touche définitive sur votre âme. Si vous priez les points que je vais vous suggérer aujourd'hui, les prières avec lesquelles nous allons prier aujourd'hui, avec tout votre cœur, votre vie ne restera jamais de même. Cependant, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, j'aimerais que vous preniez la décision aujourd'hui, si vous n'avez jamais cédé votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez jamais fait de déclaration ouverte que vous lui appartenez, papa, maman, je vous conseille de le faire aujourd'hui. Peut-être que vous allez régulièrement à l'église et que vous êtes,
vous y êtes connu. Vous pourriez même organiser des articles clés qui vous occupent le plus souvent. Si vous n'avez jamais eu de rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, vous n'avez jamais ressenti sa présence, alors vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous devez être né de nouveau. Tout ce que vous avez à faire, frères et papa, maman, c'est d'abord vous voir dans votre état de pécheur et demander au Seigneur de vous pardonner et de vous nettoyer de toute injustice. Et de réclamer le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus-Christ. Et demander lui d'effacer vos péchés. Demandez au Seigneur Jésus de venir dans votre vie et de devenir votre Seigneur et sauveur personnel. Frères et sœurs, papa, maman, le saisir au-dessus de votre vie, le placer au-dessus de votre vie et de lui demander de prendre le contrôle absolu de votre vie, c'est ce qui est le plus important. Dites au revoir au monde. Dites au revoir aux convoitises pécheresses de la chair. Dites au revoir au diable que vous ne lui appartenez plus. Que vous êtes maintenant une nouvelle création. Et que le Seigneur règne dans votre vie maintenant. Pour cela, je remercie Dieu. Pour cette décision que vous devez de prendre. Je prie pour que ce soit permanent dans votre vie et que vous ne retourniez plus dans le monde. Ma prière est que le Seigneur vous maintienne avec son puissant, avec son pouvoir le plus puissant. Et ne vous laisse plus tomber. Qu'il ne vous laisse pas tomber. Vous êtes maintenant né de nouveau. Vous êtes une nouvelle création. Les vieilles et les anciennes choses sont décédées. Et tout est devenu nouveau. La vie que vous commencerez maintenant à vivre maintenant, vous la vivrez dans le Seigneur qui s'est donné pour vous. C'est pour ça que je prie que le Seigneur ferme toutes les usines de l'ennemi dans votre vie au nom de Jésus. Frères et sœurs, les apôtres, avant d'arriver dans la chambre haute, ils étaient en train de discuter. Les apôtres voulaient savoir qui serait à la droite du Seigneur dans le ciel. Qui serait le plus grand apôtre? Les apôtres ont demandé à Jésus s'il devait rétablir le royaume d'Israël. Ils voulaient être des dirigeants et des gouverneurs. Ils n'ont pas compris. Dieu a vu qu'il y avait quelque chose dans leur vie qui devait être brûlé. Dans le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient rassemblés ensemble dans la pièce supérieure, dans la chambre haute, le Saint-Esprit alors est descendu maintenant comme un vent puissant. Et ils ont commencé à parler dans de différentes langues. Ils ont prêché la parole de Dieu avec tout courage, tout audace. C'est pour ça qu'à partir de ce jour-là, les démons les ont vus et se sont enfuis. Les rois les ont vus et secoué les maisons. Ils ont fait chambouillonner tout. Ceux qui sont entrés en contact avec eux ont été étonnés de ce qui se passait. Alléluia. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il est maintenant, rassemble-toi très bien, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie fortement. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus.
Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes écrits ainsi. Il faut que le feu de réveil tombe sur toi. Oh Seigneur, envoie le feu de réveil dans mon âme. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, envoie le feu de réveil dans mon âme. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, envoie le feu de réveil dans mon âme. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle le Saint-Esprit pour qu'il vienne dans ta vie comme une rosée. Et pour te rafraîchir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Saint-Esprit, viens comme une rosée et rafraîchis-moi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens comme une rosée et rafraîchis-moi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens comme une rosée et rafraîchis-moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Appelle maintenant le Saint-Esprit pour qu'il souffle sur toi, de sorte que le péché ne trouve plus place en toi. Le souffle de vie, le Saint-Esprit de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Saint-Esprit, souffle sur moi, de sorte que le péché ne trouve plus de place en moi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, souffle sur moi, de sorte que le péché ne trouve plus de place en moi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, souffle sur moi, de sorte que le péché ne trouve plus de place en moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant que le Saint-Esprit, que le Seigneur te restaure. Nous avons parlé de Zachée, la restauration. Que le Seigneur te restaure tous les domaines que tu as, tout ce que tu as perdu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, restaure tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, restaure tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, restaure tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le Seigneur nettoie toute partie souillée de ta vie. Que le Seigneur Jésus nettoie. Nettoie, ça veut dire laver. N'importe quoi qui est pourri dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, nettoie toute partie souillée de ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nettoie toute partie souillée de ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nettoie toute partie souillée de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander que le Seigneur guérisse toutes les parties qui sont blessées. Ce que Satan a blessé sur toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, guéris toute partie blessée de ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, guéris toute partie blessée de ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, guéris toute partie blessée de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe, il faut que le Seigneur réajuste tout égarement satanique de ta vie. C'est-à-dire que n'importe quelle partie de ta vie qui est détachée, qui est saccagée là, que le Seigneur réajuste tout égarement satanique. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, réajuste tout égarement satanique de ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, réajuste tout égarement satanique de ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, réajuste tout égarement satanique de ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, réajuste tout égarement satanique de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant à Dieu. Jésus-Christ est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Demande maintenant demande au Seigneur Jésus de te donner la vie. Qui va tuer la mort? Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, donne-moi une vie qui tue la mort au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une vie qui tue la mort au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi la vie qui tue la mort. Paix, salut de Jésus, j'ai prié. Amen.
Maintenant, là, où ta vie qui a été saccagée, là, demande à Dieu maintenant pour qu'il te recolle. Coller, coller, coller. Tu connais comment on colle, non? Qu'il te recolle ensemble. Là où tu es opposé à toi-même. Le plus souvent, quand tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi telle chose, donne-moi telle chose. Après, quand tu es en train de dire, maintenant, quand tu finis la prière, maintenant, c'est toi-même encore, tu es en train d'annuler la prière. Ça veut dire que tu es encore opposé à toi-même. Demande au Seigneur de te recoller là où tu es opposé à toi-même. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, recolle-moi ensemble là où je suis opposé à moi-même. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, recolle-moi ensemble là où je suis opposé à moi-même. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, recolle-moi ensemble là où je suis opposé à moi-même. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, recolle-moi ensemble là où je suis opposé à moi-même. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Par le pouvoir de domination du Seigneur, tous les convoitises de la chair, il faut que ça meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Par ton pouvoir de domination, par ton pouvoir de domination, ô Seigneur, que toute convoitise de la chair dans ma vie meure. Au nom de Jésus. Par ton pouvoir de domination, ô Seigneur, que toute convoitise de la chair dans ma vie meure au nom de Jésus. Par ton pouvoir de domination, ô Seigneur, que toute convoitise de la chair dans ma vie meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant le Saint-Esprit d'enflammer et de brûler ton cœur. Que le Saint-Esprit enflamme et brûle ton cœur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Saint-Esprit, enflamme et brûle mon cœur. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, enflamme et brûle mon cœur. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, enflamme et brûle mon cœur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant au Seigneur de maintenir son don. Ce don-là qui est incomparable dans ta vie. Les choses qu'il a mises sur toi, il faut que ça maintienne. Maintenant, mets le Seigneur Jésus pour qu'il maintienne ça en toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, maintiens ton don incomparable dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, maintiens ton don incomparable dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, maintiens ton don incomparable dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, maintiens ton don incomparable dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, maintiens ton don incomparable dans ma vie. Paix, salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant que le Seigneur mette sa main sur toi. Pour que là où tu es rebelle, nous avons dit la personne, une personne là que le Seigneur était en train de l'envoyer, il ne voulait pas parce que son travail lui donnait trop d'argent. Il a fallu que le Seigneur coupe une main. Maintenant, pour qu'il se retrouve à l'hôpital. Et quand il était même couché à l'hôpital, le Seigneur a dit que si tu veux encore, je vais couper tous les deux mains. C'est la rébellion, non? Parce que le gars, il est têtu, rebelle. Demande maintenant que le Seigneur mette sa main sur toi pour que tu ne. Pour éteindre toutes les rébellions qui est en toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur Jésus, mets tes mains sur moi et éteins toute rébellion en moi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, mets tes mains sur moi. Et éteins toute rébellion en moi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, mets tes mains sur moi. Et éteins toute rébellion en moi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, mets tes mains sur moi. Et éteins toute rébellion en moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dis au Saint-Esprit maintenant de commencer à brûler tout égocentrisme, c'est
Tu connais le genre de personne là que tout pour lui seul. Tout pour lui. Il regarde bien que ce qui le concerne, les autres gens, il s'en fout. C'est que même si les gens sont en train de se perdre ou bien s'ils meurent, ça ne leur dit rien. Mais tout pour lui seul. C'est quelqu'un qui est donc égocentrique. On dit que quelqu'un qui est égocentrique, c'est quelqu'un qui regarde son seul intérêt. Les autres, ça ne lui dit rien. Mais c'est ça qu'on appelle égocentrisme. Maintenant, il faut que le feu du Saint-Esprit brûle tout égocentrisme en toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu du Saint-Esprit, commence à brûler tout égocentrisme en moi, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, commence à brûler tout égocentrisme en moi, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, commence à brûler tout égocentrisme en moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faudra que le Seigneur respire son souffle de vie. Qu'il verse son souffle de vie dans ton âme pour que ton âme vive encore. Tu te rappelles comment, quand Dieu a pris la terre, il a mis là, il a soufflé son souffle de vie. Et la Bible dit que quand il a soufflé ainsi, il est devenu maintenant une âme vivante. Donc, tu as besoin maintenant que Dieu respire encore son souffle de vie dans ton âme. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, respire ton souffle de vie dans mon âme. Au nom de Jésus. Père Seigneur, respire ton souffle de vie dans mon âme. Au nom de Jésus. Père Seigneur, respire ton souffle de vie dans mon âme. Au nom de Jésus. Père Seigneur, respire ton souffle de vie dans mon âme. Au nom de Jésus. Père Seigneur, respire ton souffle de vie dans mon âme. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons parlé de la personne là. Je vous ai dit que plusieurs ne veulent plus faire ce que Dieu veut. Les gens, quand Dieu veut envoyer, les gens disent que non. Si tu ne m'as satisfait pas, je ne te satisfais pas. Les gens posent même des conditions à Dieu. Donc maintenant, tu as vu comment Dieu a coupé la main de quelqu'un avant qu'il s'est réveillé maintenant. Il a commencé à faire la prédication avec une seule main. Maintenant, tu as demandé à Dieu de te préparer maintenant pour aller partout où il t'envoie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, prépare-moi à aller partout où tu m'envoies. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, prépare-moi à aller partout où tu m'envoies. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, prépare-moi à aller partout où tu m'envoies. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, prie maintenant pour que le Seigneur ne te laisse jamais. Parce qu'il veut t'arrêter. Mais toi aussi, tu veux fuir. Prie maintenant pour que le Seigneur ne te laisse jamais le quitter. Que si tu veux arrêter, quand tu veux déjà fuir, il t'arrête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur Jésus, ne me laisse jamais te quitter. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ne me laisse jamais te quitter. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ne me laisse jamais te quitter. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le Seigneur maintenant mette ton esprit en ordre. Le désordre que tu es sur ça là. Il faut que les affaires de désordre là. Parce que j'ai posé beaucoup de questions. Sur beaucoup de questions que j'ai posées là. Sur beaucoup de questions, tu bégayais, non? Tu regardais par la fenêtre, non? Maintenant, demandez maintenant au Seigneur de mettre ton esprit en ordre. Et qu'il fasse encore ta vie. Dans sa volonté. Et non plus ta part de volonté. Tu sais que ta part de volonté ne donne plus rien. N'a rien donné. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, mets mon esprit en ordre et façonne ma vie dans ta volonté, au nom de Jésus. Oh Seigneur, mets mon esprit en ordre et façonne ma vie dans ta volonté, au nom de Jésus. Oh Seigneur, mets mon esprit en ordre et façonne ma vie dans ta volonté, au nom de Jésus.
Dans le pays salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier maintenant pour que la chaleur de Dieu brûle maintenant ta volonté. Que la chaleur de Dieu maintenant entre dans ta volonté. Et brûle ta volonté. De ce que tu veux maintenant, ce n'est que ce que Dieu veut. Ta propre volonté, même ça disparaît maintenant. La volonté de Dieu, maintenant, prenne la première place. Parce que la chaleur de Dieu, quand ça va entrer dans ta volonté, c'est la chaleur de Dieu qui va dominer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que ta chaleur, ô Seigneur, que ta chaleur, ô Seigneur, brûle ma volonté au nom de Jésus. Que ta chaleur, ô Seigneur, brûle ma volonté au nom de Jésus. Que ta chaleur, ô Seigneur, brûle ma volonté dans le salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler maintenant la flamme du feu du Saint-Esprit. Fleurir, le mot fleur, fleurir sur l'autel de ton cœur. Que la flamme du Saint-Esprit fleurit, la fleur, fleurit sur l'autel de ton cœur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la flamme du Saint-Esprit fleurit sur l'autel de mon cœur, au nom de Jésus. Que la flamme du Saint-Esprit fleurit sur l'autel de mon cœur, au nom de Jésus. Que la flamme du Saint-Esprit fleurit sur l'autel de mon cœur, dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, lève maintenant ta main droite. Avec la paume de ta main droite qui regarde au ciel. Lève ta main droite en haut. Mais la paume de ta main droite là regarde vers le ciel. Et laisse ça en haut maintenant. Ferme tes yeux. Répète ceci. Que ma main devienne l'épée du feu pour couper les arbres maléfiques. Au nom de Jésus. Répète et laisse ta main en haut. Que ma main devienne l'épée de feu pour couper les arbres maléfiques. Au nom de Jésus, que ma main devienne l'épée de feu pour couper les arbres maléfiques. Au nom de Jésus, dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, si même si tu es assis seulement là, tu dois taper tes deux pieds par terre. Tape tes deux pieds par terre, comme tu es en train de piétiner le sol. Pendant que tu es en train de prier maintenant sur tes pieds. Non, tu as le prier les pieds. Maintenant, si à moyen tu mets nulle d'onction même partout sur le pied, tu foules les pieds et pendant ce temps maintenant, tu tapes maintenant les pieds. Tu peux même mettre la pause. Tu mets nulle d'onction à partir du genou jusqu'à la pointe des pieds. Après ça, tu tapes les pieds par terre. Pendant que tu tapes les pieds par terre, tu fais la prière ici. Tu fermes tes yeux. Prie maintenant. Parce que tu as envie de parler sur tes pieds. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Pendant que tu as envie de prier ceci, tape tous les pieds par terre. Oh. Vas-y. Que mes pieds deviennent le tonnerre de Dieu. Pendant que je frappe par terre, qu'il triomphe de l'ennemi. Au nom de Jésus. Que mes pieds deviennent le tonnerre de Dieu. Comme je les frappe par terre, qu'il triomphe de l'ennemi. Au nom de Jésus. Que mes pieds deviennent le tonnerre de Dieu. Comme je l'ai frappé par terre. Frappé par terre. Frappé par terre. Marche. Tape les pieds par terre. Vas-y. Comme je l'ai frappé par terre. Qu'il triomphe de l'ennemi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le chiffon spirituel de la pauvreté dans ta vie. Que ça va prendre feu. Tu ne veux plus la pauvreté, non? Tu veux la richesse. Tu ne veux plus la pauvreté. Il faut que la pauvreté, dans le chiffon, dans le monde spirituel, il y a, quand tu vois quelqu'un qui a porté des habits déchirés, les habits, comment les habits d'un fou, c'est ça qui est le plus souvent, quand tu as trop de problèmes financiers, ça veut dire que ce genre d'habit-là est sur toi. Donc, tu vas dire maintenant que le chiffon spirituel de la pauvreté prenne feu. Ferme tes yeux, crie ainsi.
que le chiffon spirituel de la pauvreté dans ma vie. Que le chiffon spirituel de la pauvreté dans ma vie prenne feu au nom de Jésus. Prenne feu au nom de Jésus. Prenne feu au nom de Jésus. Tapis au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu sais, tes veines là, tu vois, tu entends souvent les gens qui ont les problèmes des veines. On dit qu'il faut aller voir le neurologue. Maintenant, il faut que le sang de Jésus passe dans tes veines maintenant. Tu dois appeler le sang de Jésus pour que ça passe dans tes veines. Les veines, les veines. Il y a les veines, il y a les artères. Ferme tes yeux maintenant, crie ainsi. Seigneur Jésus, viens comme du sang dans mes veines. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, viens comme du sang dans mes veines. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, viens comme du sang dans mes veines. Au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, de prier maintenant pour que le feu de Dieu soit le générateur du pouvoir dans ta vie. Tu connais le générateur, non? Le générateur, c'est ce qui donne l'électricité dans la maison. Donc maintenant, il faut que le feu de Dieu soit le générateur qui te donne le pouvoir. Ferme tes yeux ainsi. Oh Seigneur, que ton feu soit générateur du pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton feu soit générateur du pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton feu soit générateur du pouvoir dans ma vie. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois paralyser l'ennemi de l'excellence qui est dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout ennemi de l'excellence dans ma vie, que tout ennemi de l'excellence dans ma vie soit paralysé au nom de Jésus. Soit paralysé au nom de Jésus. Soit paralysé au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la honte, que la honte, tu vas prier pour que la honte de tes ennemis se multiplie grandement. C'est-à-dire qu'il aille de honte en honte. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, que la honte de mes ennemis se multiplie grandement. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que la honte de mes ennemis se multiplie grandement. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que la honte de mes ennemis se multiplie grandement. Puis, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier que la défaite et la honte de tes ennemis, des ennemis de ton progrès, se multiplient aussi grandement. Oh Seigneur, que la défaite et la honte de l'ennemi de mon progrès soient multipliées grandement. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que la défaite et la honte de l'ennemi de mon progrès soient multipliées grandement. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que la défaite et la honte de l'ennemi de mon progrès soient multipliées grandement. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier que tout pouvoir qui planifie de renverser ta vie tombe et meurt maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui planifie de renverser ma vie, tout pouvoir qui planifie de renverser ma vie, tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Puissant de Jésus va prier. Amen. Maintenant, les gens qui doivent t'aider, il faut que le Seigneur, les gens que Dieu a envoyés pour t'aider, il faut qu'ils commencent maintenant à localiser là où tu te trouves maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que mes aides divinement désignées, que mes aides divinement désignées commencent à me localiser à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Que mes aides
divinement désigné. Commence à me localiser à partir de maintenant. Au nom de Jésus, que mes aides divinement désignées commencent à me localiser à partir de maintenant. Dans le pays salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois barricader ta vie contre toute opinion satanique et toute opposition. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je barricade ma vie contre toute opinion satanique et opposition. Au nom de Jésus, je barricade ma vie contre toute opinion satanique et opposition. Au nom de Jésus. Dans le pays, salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant que le Seigneur prenne le contrôle total et parfait de ta vie jusqu'à l'éternité. Fais tes écrits ainsi. Oh Seigneur, prends le contrôle total et parfait de ma vie jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, prends le contrôle total et parfait de ma vie jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, prends le contrôle total et parfait de ma vie jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, prends le contrôle total et parfait de ma vie jusqu'à l'éternité. Dans le puissant salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, vous allez ordonner maintenant. Tu vas récupérer tout ce qu'on a volé dans ta vie. Et qu'on va te remettre là sept fois. Sept fois, c'est la Bible. Tu dois réclamer qu'on te retourne tout ce qu'on a volé dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, je vous récupère cette fois, au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, je vous récupère cette fois, au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, je vous récupère cette fois, au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, je vous récupère cette fois. Dans le pays salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas décréter que tu es libre dans tous les domaines de captivité. Décrète. Ferme tes écrits ainsi. Je décrète la captivité. Je décrète la liberté. Dans tous les domaines de captivité dans ma vie. Au nom de Jésus. Je décrète la liberté dans tous les domaines de captivité dans ma vie. Au nom de Jésus. Je décrète la liberté dans tous les domaines de captivité dans ma vie. Au nom de Jésus. Je décrète la liberté dans tous les domaines de captivité dans ma vie. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, papa, maman, maintenant n'importe quel matériel, n'importe quelle propriété de l'ennemi qui est dans ton corps physique. Maintenant là, si tu sens une partie de ton corps qui fait souvent trop mal, ou bien tu sens une partie que tu sens que les choses bougent devant, n'importe quelle partie de ton corps que tu sens toujours que tu as les problèmes là-dessus, tu dois mettre le dorsal maintenant sur ta main. Tu vas frotter la partie là. Fortement. Quand tu vas frotter la partie là, parce que n'importe quoi qu'il y a dedans, doit se manifester et prendre feu pour brûler. Tu vas frotter la partie là, n'importe quelle partie de ton corps, que tu sens que ça fait souvent mal. Tu ne laisses rien. Tu vas frotter ça fortement. Pendant que tu frottes, tu répètes ceci. Si tu veux, tu appuies même pause. Tu répètes ceci. Frotte cela d'abord, suffisamment. Pendant que tu fermes les yeux, tu dis ceci. Tout matériel ou propriété de l'ennemi dans mon corps physique. Tout matériel ou propriété de l'ennemi dans mon corps physique. Manifeste maintenant et prends feu au nom de Jésus. Frappe. Tout matériel ou propriété de l'ennemi dans mon corps physique.
manifeste maintenant et prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Vas-y, flotte, flotte. N'aie pas pitié. Va n'importe quelle place que tu sens que dans ton corps, ça ne tient pas là. Ou tu sens souvent que quelque chose marche même. Ou bien n'importe quelle place que tu connais que sur ton corps, ça ne tient pas. Frotte suffisamment toutes les places. Fais tes secrets ainsi. Tout matériel ou propriété de l'ennemi dans mon corps physique. Manifeste maintenant et prends feu au nom de Jésus. Manifeste maintenant et prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, après ça, maintenant, mets une pause. Appuie la pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Avec les yeux fermés, à haute voix. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. C'est écrit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Dans d'autres places du Nouveau Testament. Parle ça, parle à haute voix, parle en langue, je t'attends. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vais prendre un exemple de quelque chose. Par exemple, si tu as un problème de mariage, ou bien que ton mari, il sort autour des gens, ou bien ta femme ne te respecte pas. Regarde un peu s'il y a quelqu'un dans ta famille maternelle ou ta famille paternelle qui était polygame. Donc, il y a l'esprit de polygamie. C'est un esprit qui est hérité. Et ça attaque le domaine de ton mariage. Ça attaque aussi tes finances. Donc, n'importe quel problème que tu vois le plus souvent là, il y a un esprit qui vient de la génération et qui est hérité et qui est impliqué dans ce domaine de ta vie là. Maintenant, tu vas prier pour que tout esprit hérité et qui est impliqué dans n'importe quel domaine de ta vie, cet esprit là maintenant va mourir. Ça veut dire que ça ne doit plus t'attaquer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit hérité impliqué dans n'importe quel domaine de ma vie, tout esprit hérité impliqué dans n'importe quel domaine de ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. J'ai dit que c'est n'importe quel domaine de ta vie. Mariage, finance, à l'école, quoi que ce soit. Maintenant là, n'importe. Le plus souvent, partout où tu vois là, il y a un esprit qui te suit partout. Le plus souvent, les marabouts, les sorciers peuvent se transformer en oiseaux. Et ils viennent se mettre sur un arbre, devant l'arbre qui est dans ta cour. D'autres fois, ils deviennent des souris pour marcher dessus dans ta toiture. Ils deviennent aussi les lézards pour aller sur tes murs. Ils peuvent devenir aussi la toile d'araignée pour être dans ta maison, dans ta voiture, dans ta chambre, ainsi de suite. Donc, on appelle ça, c'est les esprits de surveillance maléfique. Ils te suivent partout. Et ils détruisent toutes tes affaires de part et d'autre. Ces esprits-là te suivent partout. Ils te suivent n'importe quoi pour que ça rate. Maintenant, il faut que ces esprits-là meurent. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Tout mauvais esprit, tout esprit mauvais qui me suit pour surveiller mes affaires, tout esprit mauvais qui me suit pour surveiller mes affaires, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas commander le tonnerre de Dieu pour frapper tous les couvents de sorcellerie. Les couvents, il y a tous les couvents de sorcellerie dans le monde qui prennent les décisions, qui sont toujours en train de prendre des décisions pour te détruire. Quand tu vas prier ça comme ça, tous les sorciers qui font les réunions contre toi, ça, ils vont avoir trop de mal. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le tonnerre de Dieu frappe tout couvent de sorcellerie où les mauvaises décisions sont prises contre moi. Au nom de Jésus. Que le tonnerre de Dieu frappe tout couvent de sorcellerie où les mauvaises décisions sont prises contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman,
Ferme tes yeux maintenant. Ne dis aucun mot, même amen. Même merci, ne dis aucun mot. Ferme tes yeux, nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous on appelle le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Ne dis pas amen. Ne dis pas un mot. Ferme tes yeux, ouvre seulement ta bouche. Et je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Alléluia. Alléluia. Feu, 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 feu. 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 Feu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Mais remercie ma papa, maman. Bien-aimé. Maintenant, nous avons, maintenant, n'importe quoi où tu étais enfermé là. C'est ça qu'on appelle captivité. Maintenant, il faut que Jésus, maintenant, il faut que tu vas prier pour que le Seigneur, les gens qui t'avaient mis en prison, Jésus maintenant va te sortir et eux-mêmes, ils vont aller dans la prison là pour te remplacer. C'est ça, c'est la prière qu'on va dire maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, rends toute captivité captive au nom de Jésus. Oh Seigneur, rends toute captivité captive au nom de Jésus. Oh Seigneur, rends, le verbe rendre, toute captivité captive au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de clôturer notre prière. Ferme tes yeux maintenant, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Puis, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons maintenant sceller nos prières. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Puis, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de parler en langue. On va parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.